Installer des glissières pour que le tiroir il vienne sortir ici. Ça, j'ai installé ma meuleuse dedans, elle pourra sortir. Là, je vais prendre une colle, ça sera un peu plus haut. Ça passe au-dessus. Il n'est pas encore fixé. Tu vois, hop, et ça va se fermer. Bon, on va le faire. Bon, l'autre côté maintenant. Travail que j'ai récupéré, donc ça va. Je l'ai mis à l'envers. Bon, déjà on va voir la dimension. Je l'ai mis à l'envers. Ah bravo. Là, je vais redémonter et voir caméra. Je vais remettre à l'endroit. Ça c'est l'arrière du plan de travail. Comme ça je pas, hein, je ne vois pas ça. Hein. Ah bravo. On va faire le système du lot. Hop, voilà. On va le fermer. Bon, ça marche, mais à part qu'il faut que je renverse tout. Je vais tout renverser hors caméra. Bon, voilà. Le système est installé. Donc là, on ouvre. On rebat. Et voilà,
Ça sort directement. On rentre. Je colle les outils à installer. Là, ici. J'ai oublié de rentrer ça. Voilà, ça sort jusque là. Ici, sûrement que je ferai un petit renfort, une cale pour mettre ici en dessous. Parce que comme avec le poids de la machine, plus la force que je vais exercer dessus, ça risque de... Donc là, je mettrai un petit renfort. Donc, ça ne sera pas ça. Un peu plus épais. Deux morceaux, je les fixerai en dessous, ça maintiendra. Voilà. Voilà. Voilà, je vais installer les machines. Voilà, j'ai installé ma perceuse à colonne sur le petit plan de travail. L'arc serait dans le meuble. Donc là, j'ai pointé. Pour faire les fixations. Voilà. Peut-être les tiges en dessous, ils vont me gêner. Le seul poids que ça fait. Je pense que ça va me gêner. Je vais les recouper et l'installer après. Problème. Et j'ai pas de fixation.
Ah, il faut que je reprends pour encastrer les boulons en dessous. Bon, je crois qu'il y a une prise. Alors, ça va. J'ai dû orchestrer les boulons dans le plan de travail vu que ça touche un peu à le guide qui est là pour l'acier anglais. Et maintenant, c'est bon. Et juste une petite modification. On rentre. On tire la porte. Ni vu ni connu. Au revoir. Là, j'ai installé la deuxième machine. Alors, je ne l'ai pas nettoyée, je l'ai fait exprès. Parce que l'ennemi numéro un dans un atelier, c'est la poussière. Donc là, je vais le nettoyer. Si je retrouve ma balayette, elle est là-bas. Et la poussière. Oh. Maintenant c'est ça et ça. Parce que là, ça il faut que je les vire. Ça passe pas. Bon, je vais le fixer. Je le décale. J'ai fait trop juste. Fermé. Voilà. Donc là, les protections, il va falloir que je les fasse comme ceci. Bon, voilà, les trois systèmes, ils sont faits. Je vais retirer ça. Donc là, le premier pour une petite meuleuse. Hop. Je le tire. Rentrer. Là pour la perceuse à colonne. Cale en dessous pour la force, parce que là, il y a quand même du poids. Voilà.
a déjà vu, on ferme ici même système que le petit. Et là, sans plus grand. Et là, ça vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo, si vous me suivez. Autrement, il faut vous abonner. Voilà. Voilà. Tout est enfermé. Propre. Alors vous allez dire, les portes sont décalées. Celle-là, elle est bien décalée. J'ai pas pu faire autrement. Mais bon, comme c'est un atelier, c'est mes premières portes que j'avais fait. Excusez-moi. Ça fait tout un ensemble. Voilà. Maintenant qu'il n'y a plus que le système électrique à faire.